La campagnole va aérer le sol en respectant tout ce qui est microfaune et microflore de celui-ci. Elle permet en fait un travail ergonomique qui remplace aisément le monoculteur qui lui a besoin d'énergie fossile. Un des bénéfices de la campagnole, c'est de travailler avec un outil très ergonomique et avec son poids au lieu de sa force. Vous allez poser votre poids sur le manche et puis en vous laissant aller en arrière, sans autre force et sans eau tordue, vous allez travailler votre terre. Ici Alexandre Serre, sur les terrains qu'on utilise, en une heure de temps, on fait à peu près 54 mètres courants sur des planches de 80 cm. Et donc en fait, en un passage, elle a aéré le sol et elle nous a créé vraiment ce qu'il nous faut comme semis de labour pour venir nous soit repiquer ou soit semer directement. La campagnole, elle existe en deux largeurs, 50 cm et 80 cm. 80 cm, franchement, c'est pour les professionnels. 50 cm, c'est pour tout le monde. C'est celle qui nous aide à maximiser le poids et la force. Donc, on les utilise pour ouvrir un terrain, éventuellement après un premier travail à la bêche. Deuxième différence entre certaines campagnoles, c'est celles qui ont des contre-dents rigides ou celles qui ont des contre-dents à ressort. Le principe du ressort, c'est de ne pas coincer un caillou, un morceau de bois. Ça offre un peu plus de confort. Ça demande une terre qui est déjà une terre maraîchère, qui a déjà été bien travaillée. Par exemple, ici un caillou qui est symbolisé par une pièce de plastique. Avec des dents rigides, ça coincerait avec un ressort. Le ressort va se lever et la pièce va être éjectée sans qu'il y ait de casse. On respecte les champignons, les vers de terre, tous les insectes qui pourraient en faire partie. On aère le sol, on le retourne pas. Donc en fait, les couches restent à leurs étages successifs. Comme ça, en fait, on ne crée aucun socle de labour. Et nous, ce qui nous permet en fait d'avoir un sol directement très plat, on peut venir insérer nos cultures, que ce soit en semis ou en repiquage. La campagnole, elle vous arrive dans une boîte comme ceci. Comptez à peu près un quart d'heure à une demi-heure pour la monter au maximum. Une chose à retenir absolument, c'est que les manches doivent être montées dans le sens du fil du bois, de façon à ce que vous ayez le sens de la fibre vers vous. Alors, où trouver la campagnole? En France, c'est très simple, vous la commandez directement chez le fabricant Vincent Legris à la Fabriculture. Et pour la Belgique, eh bien, c'est chez nous, à la ferme de Froidmont Insertion à Rixensart. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountain.